Bonsoir, aujourd'hui je vous apprends à utiliser le modificateur surface. Ce modificateur est basé essentiellement sur des splines. Je prends par exemple un cercle, je le convertis en éditable spline. Je pourrais dès maintenant tester mon modificateur. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si, vous avez remarqué, c'est comme si j'ai dessiné un cercle et j'ai fait Convert to Editable Poly. C'est le même résultat. Sinon, je retourne à mon premier cercle. Toute la ligne. Je fais une copie. Je pourrais afficher mon résultat en cliquant sur Show and Result. Alors, je fais ma copie. Hop, si vous avez regardé, ça m'a créé une nouvelle surface. Je pourrais essayer quelque chose comme Create Line. Activer le snap si vous voulez. Et je dessine. Ici aussi, et je dessine. Vous avez remarqué ce qui se passe? Et je dessine. Là, ça sera ma dernière ligne. Voilà. Et j'ai un cylindre. En fin de compte, je pourrais aller sur mon modificateur et cocher Flip. Normes. Alors, ce modificateur a créé cette surface-là, celle-là, puis il a fait un smooth sur les bordures. Je pourrais essayer une autre chose. Je prends un autre cercle. Je le convertis en édité slime, puis avant de faire la copie, je vais cocher connect copy. Regardez ce que ça fait. Ah, je vais ajouter mon modificateur. Surface. Ah, il est là. Maintenant, je vais faire d'une manière différente. Comment ça? J'ai coché Connect. Alors, regardez ce que ça fait. Je crée ma copie et hop. Les cercles sont automatiquement connecté. Et je vais sur mon modificateur et je coche Flip Normals. Je pourrais faire un autre truc sympa. Par exemple, je pourrais faire un scale et j'appuie sur Shift. Et je clique. Comme ça, par exemple. Puis, l'outil de déplacement. Voilà. مش فاهمين اي حاجه من اللي انت بتقولها دي خالص ما انت بالذات ما انتش فاهم لانك ما انتش قاعد كويس انت لو قعدت كويس كلامك هيبقى على مستوى قاعدتك الكلام هيفهم الله يرحمك طهطه